C'est un moment, Didier, institutionnel qui nous attend. Attendu de tous. And the winner is Romain Châtelain de l'Agence de Lyon. C'est Rémi Mollard. Ingénieur sécurité. Rémi on the stage. Alors, voilà, awardé. Donc, and the winner is Francisco Charrua de l'Agence de Paris. Allez, Francisco, tu remercies ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs. Tu nous dis un petit mot. Bonjour à tous. And the winner is Armand Cauchy d'Orléans. Alors Armand, un petit mot, ça te fait quelque chose? Oui. Ouais, j'y tiens beaucoup. And the winner is... Bon, moi ce serait que moi, les quatre auraient gagné. Bon. Et j'appelle Amandine Lamarque de Bordeaux. Là, on a récompensé la performance et le savoir-être aussi. Voilà. Et il s'agit de... Et il s'agit de Gilles Lecros de l'Agence de Lyon. And the winner is... Et je sais que malheureusement, et c'est exceptionnel qu'on mette un award à quelqu'un qui est absent, mais sa grand-mère est décédée, je crois, jeudi, c'est ça? Oui, jeudi, ouais. Et donc, les obsèques ayant lieu aujourd'hui, j'ai parlé de lui hier, il ne pouvait évidemment pas être là, et on le comprend. C'est un homme talentueux, très compétent techniquement, très apprécié par ses clients, et il s'agit de Serge Baracchini. Pour la troisième fois, c'est Cédric Moreau. Cédric Moreau. Alors, est-ce que tu nous dis un petit mot? Je sais pas trop quoi dire. Compris, j'appelle Johan Mocro de la DCMS. En parlant de lui dans son agence, bien évidemment, au sein de la DCMS, Philippe nous en parle beaucoup. Donc il nous est paru tout à fait légitime de récompenser Mathieu Véron de l'Agence de Lille. Bravo. Tu nous dis un petit mot? Qu'est-ce que tu fais d'abord, Lille? C'est l'award du meilleur patron d'agence. Et là, évidemment, les 13 sont tous nominés. Tous et toutes, puisque je pourrais là, on a au moins une femme qui est Carole Dumas, à Toulouse. Donc ils sont tous nominés de fait. Et il nous a fallu faire un choix, Didier et moi. Et j'appelle donc, vous l'avez compris, Arnaud Olève d'Orléans. Arnaud, c'est donc toi l'élu cette année en 2021. Merci Nicolas. Choix cornélien, hein, mais tu es sorti du lot. Merci. Mais tout le monde le méritait cette année, de toute façon. Je l'ai dit. Que dire? Pas que ajouter déjà à la déclaration d'amour d'Armand Cauchy pour son agence, pour ses collègues. Si, ce que je pourrais ajouter, c'est étendre le spectre de cette déclaration d'amour à tous les collaborateurs de Kéops Technologies, au-delà des frontières de notre agence. Bravo! Je vous propose de vous applaudir tous. Parce que quand même, quelle année! Nous, le as a service, on en fait depuis des années avec l'offre iCode. Mais nos amis, ça fait, on peut pas leur parler sans qu'ils nous parlent de GreenLake. Vous avez tous sorti les mêmes offres. Le constat que l'on peut faire avec la crise du Covid, beaucoup d'entreprises, je crois que 70% des entreprises se croyaient, je dirais, dans une logique de transformation numérique adéquate. Mais en fin de compte, le Covid a montré qu'ils n'étaient pas du tout là. L'intelligence artificielle demande et impose de la diversité. Quels sont les impacts sur nos entreprises, sur nos fonctionnements de toutes ces nouvelles technologies? Nos sociétés, c'est qu'on vit de plus en plus vieux.
Est-ce qu'on vit de plus en plus vieux en bonne santé? Oui, mais avec des traitements. Donc il y a de plus en plus de documents. Il va falloir rendre ces documents accessibles et il va falloir travailler sur ces documents pour effectivement les croiser et être beaucoup plus pertinent. Donc il y a au niveau de la santé des choses et l'influence de l'IoT, on parle beaucoup de tissus connectés. Ce sont les métiers qui drivent l'IT dans les entreprises. Donc si ces technologies arrivent, c'est qu'elles répondent à un besoin. Ces données, comment on peut les croiser pour être plus pertinent? D'accord. Deux exemples, ça, dans le médical, où on s'est rendu compte qu'il existait différents traitements contre le cancer de la prostate chez les hommes, où en fait, en croisant les résultats des trois traitements et en croisant les traitements, on pouvait retarder l'apparition de 2 ans et demi. Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'applications qui vont stocker des données en volume, et donc on aura besoin de stockage par pétaoctet ce coup-ci, et non plus en teraoctet. Au-delà d'en parler, de dire qu'on a plein d'IoT, on sait que ça va générer plein d'objets. Vous savez, sur les bornes Aruba, toutes les bornes Aruba aujourd'hui sont équipées de radios qui ne sont pas que Wi-Fi. On fait aussi du Bluetooth, du Zigbee. C'est quoi la valeur ajoutée d'Ingram sur le business de Kéops? Est-ce qu'Ingram a une valeur ajoutée d'abord? Ce n'est qu'une valeur ajoutée. Preuve de créativité et d'agilité. C'est ça. Aujourd'hui, c'est les moules et frites, et la notre chef, il fait les bavettes et les saucissons. J'ai fait 5 saisons en Gréco-Limano, 2 fois France, 3 fois les Suisses et 1 fois les Italiens. Je vous rappelle que vous trouvez donc vos vélos qui sont numérotés. Déraillé, chaîne qui s'est coincée. Déraillé. Oh, dur. Et vous les canoës? Les canoës? Tour en canoë. Dernier tour en canoë. Préparez-vous, il y a le paddle qui arrive. Non, j'ai pas envie d'en faire en plus. Très sportive. Là, il reste encore un paddle et un canoë. Voilà. On termine sur le canoë. Allez, bonne. 4-3. Voilà. Ok, enfin une victoire. Et super, vous arrivez ici. J'ai combien d'épreuves? C'est la première. C'est la première. Et c'était une belle défaite. Petite piste là, vous passez en relais avec le t-shirt rouge. Donc ici, on est sur un relais en canoë et en paddle. D'accord. On commence en canoë, on fait le tour de la bouée jaune, on revient à la plage. Là, il y a un paddle qui va partir, hop, on revient à la plage, ensuite un canoë, ainsi de suite. Ok? Il y a 4 relais canoë et 4 paddles. On a un spécialiste de paddle, et puis après, on va improviser. On va s'adapter, comme dirait Nicolas Leroy-Furiot. Non, mais qui va en faire? Bah, vous verrez comment je gère et vous verrez en fonction, c'est ça? Ouais, d'accord. Attention, 3, 2, 1, top, c'est parti. Jamento.com. Les catapultes. Donc le principe est simple, grosse catapulte, il y a un lanceur, un récepteur, et il faut réceptionner le plus de balles possible. Vous êtes quelle équipe? Bonjour, la 28. La 28, vous partez en catapulte avec mon collègue Jean-Philippe. Je vais vous faire le décompte pour partir, donc vous m'attendez bien à chaque fois, et je vous dirai quand lancer. Top, allez-y. Yes. Ouais. C'est fort. Ouais.
Vas-y, mais tu t'en fous si ça... Les deux connes, c'est moi. Ok. Allez. Les plus grandes, c'est mieux que les plus épaisses. C'est celle-là, elle est... Non, mais c'est pas juste. Allez, vas-y. Ça va très vite, hein. Il y a un peu moins d'eau. Ouais. On met de l'eau là, ça arrive, on ne lâche rien. Ah. Parmi les phares qui entourent la Palmyre, lequel sera bientôt classé au patrimoine mondial de l'UNESCO ? Alors, Saint-Augustin, de la Courbe, Cordouan. Bonne réponse, vous avez gagné 60 points. Bravo les 22. Dans 20 minutes. Oui, une question. Ouais. Un seul de ces super-héros n'existe pas. Lequel ? Only one, ok, on en est. L'homme sable, l'homme élastique ou l'homme purée ? Ouais, c'est pas top, ouais. Allez, 60 points. Ouais. Nous avons 1020 points. On est là, on est là. J'ai pas mis ça, hein, mais bon. Allez, à la prochaine. C'est le meilleur moment de la convention, je le pense en tout cas, parce que je vais passer la parole à des hôtes de marque, je vous en dirai un petit peu plus dans quelques secondes. Ensuite, nous enchaînerons sur un cocktail qui se tiendra donc sur la gauche pendant une petite heure. Donc là, il est 20h, vous avez plus remarqué, pour une fois, je suis à peu près à l'heure, hein, 3 minutes près. Donc vous pourriez le remarquer quand même, le souligner. Oh, merci. Merci. Et nous enchaînons ensuite, après une petite heure de cocktail et pas plus, nous enchaînons sur le dîner de gala. Et nous enchaînerons avec un concert privé, avec ce fameux groupe Success Band. Vous pourrez danser pendant les 2 heures de concert, et ensuite vous pourrez danser jusqu'à 4h du matin, puisque on enchaînera avec un DJ pour terminer la nuit. Moi, je suis ravi d'appeler sur scène, c'est Muriel Sakoun qui arrive avec un petit pas. Salut Muriel. Merci Nicolas, ravi d'être avec vous. Bonsoir à tous. Je suis vraiment très très contente de vous accueillir à la Palmyre. On a failli le faire 2 fois. Je sais que Nicolas y tenait plus que tout. Je vous garantis que vous avez beaucoup de chance. C'est un président vraiment qui a envie de vous emmener voir et de faire le maximum pour vous rendre heureux. Moi, je vous souhaite vraiment la bienvenue dans ce très beau village de la Palmyre. Merci de m'accueillir. Je voudrais les appeler sur scène et qu'on leur fasse une ovation parce qu'ils le méritent. J'appelle Thierry Loiseau, j'appelle le bébé qui s'appelle Mathilde, j'appelle David Rodriguez et Raphaël Moreau, et également Florence, mon assistante stagiaire depuis 30 ans, où est-ce qu'elle est Florence, qui a largement aussi contribué à cette opération. Allez Florence, entre toi. Florence qui depuis 30 ans n'a pas pris une boucle de ride, n'a même pas un cheveu blanc alors que moi j'ai les cheveux blancs.
Certains soirs étaient heureux.